À Montréal, un projet pilote de vélo libre-service durant l'hiver a été mis en place au cours des derniers mois. Et Kevin, pour l'organisme Vélo Québec, les premiers résultats semblent satisfaisants. Oui, absolument. On n'a pas encore un bilan officiel de la part de Bixi, mais sur leur site Internet, on a accès au nombre de déplacements. Vous allez le voir à l'écran. Pour ce qui est du mois de décembre, on a atteint le nombre de déplacements de 95 000. On sait que la température était assez agréable au mois de décembre. Vous le voyez, ça a diminué en janvier et en février. Si on compare à un mois d'été, juillet 2023, c'était 1,8 million de déplacements. Pour la première fois cet hiver, il y a eu 150 stations pour un total de 1 500 vélos. Et oui, chez Vélo Québec, on est très satisfait des résultats de ce projet pilote. Les chiffres qu'on a pu voir pour l'utilisation des Bixi cet hiver sont très positifs. La première chose, il faut comprendre que c'est un projet pilote. Là, il y a beaucoup moins de vélos disponibles qu'en été. Et Bixi a fait le choix de choisir un nombre de stations limitées. Il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas très bien desservis. Donc, le service n'était pas offert, j'ai envie de dire, n'avait pas la même couverture. Toutes ces choses-là étant considérées, c'est une excellente nouvelle. Et par ailleurs, Kevin, on pourra... Et pour les... Oui. Allez-y, excusez-moi. Oui, je vais enchaîner juste pour conclure sur Bixi que pour les utilisateurs, il va falloir payer davantage en 2024. L'abonnement saisonnier passera de 99 à 107. La Ville de Montréal a pris la décision de faire l'achat aussi de 1 300 vélos supplémentaires et de 32 stations pour 2024. C'est une dépense de 7 millions de $. On a appris aussi que la Ville de Laval devrait annoncer prochainement une augmentation de vélos et de stations. Bon, et on pourra par ailleurs, Kevin, recharger sa carte Opus à Montréal sur un téléphone cellulaire très bientôt. Oui, absolument. Ça pourrait être dans les prochaines semaines. Donc, si vous allez au métro, là, Place des Arts, comme ici, bien, vous allez pouvoir mettre votre carte près du téléphone et naviguer dans l'application pour ajouter le billet. Il faudra toujours présenter son titre pour passer le tourniquet. Résultat des tests jusqu'à présent, bien, le taux de transaction complété avec succès dans l'application Chrono à 94 %. Merci, Kevin.